Oh ma gnanti milandasya Ghanam jaram shalakaya Shakshuru miritam jenata isme Shigurave namaha Shichitanya manubhistam stapitam minabhutale Swayam rupa karamayam dadati swam padam tikam. Vandeyam shri guru shri yukta parakamaram shri gurum vishnavam shaham shri rupam sagajatam sahagana ragunatam vitam tam sajivam sadvetam savadvitam parijana saitam krishna chaitanya devam shri radha krishna pada sahaganam rarita vishakam vitam shaham E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Pricha Banu Sute Devi Pranamami Hare Priye Namo Mahavanyanyana Krishna Prema Pridayate Krishna Ya Krishna Chaitanya Namne Gurat Vitsehe Namoha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Shri Gadara Shivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo Lamo Lamo Hare Hare Vrindai Tulasi Devai Priyaya Keshava Satcha Krishna Bhakti Prati Devi Satya Vatya Namo Namaha Vansha Kalpa Talu Vyacha Kripa Sindhu Vyaya Vacha Pachitanam Pavane Vyo Vaishnave Vyo Namo Namaha Donc je rends mon humble hommage à mon maître spirituel Srila Bhakti Vibhudha Bhadan Goswami Maharaj à Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, à mes Shikshaguru, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Lashaka Srila Dev Goswami Maharaj, au général de l'armée de Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saritaku, ainsi qu'à toutes nos Gauravagas. Donc je suis très heureux que ce matin vous soyez là. Very happy. Donc on va lire un verset de Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 2, verset 62. Dhyayato vishayam pumsham shangam te shupajayate sangat sajate kamam kamakrodam vijayate. En méditant sur les objets de sens, une personne développe de l'attachement, duquel naît le désir, qui à son tour engendre la colère. Commentaire. Srila Sridhar Swami a expliqué le défaut de ne pas avoir les sens sous contrôle. Dans ce verset et le suivant, ce défaut est maintenant mis en évidence. En effet, selon Srila Vishvacharitakur, Krishna enseigne que le contrôle du mental est le moyen fondamental par lequel ceux qui sont chitta praga, donc des personnes dont l'intelligence est fixe,
contrôlent leur sens. Maintenant, le Seigneur explique à Arjuna ce qui arrive lorsqu'une personne est incapable de contrôler pleinement son mental. En méditant sur les objets des sens, une personne développe de l'attachement pour eux. Alors un désir excessif pour ces objets se développe. La colère s'élève ensuite, si pour une raison ou une autre, ce désir n'est pas comblé. Dans ce monde, les êtres qui n'ont pas un grand avancement spirituel, souvent, ils agissent d'une certaine manière. Alors, on parle pour des gens qui ont accepté un processus spirituel et qui ont foi dans une écriture, comme la Bhagavad Gita. Qu'est-ce que ça veut dire la foi, Shraddha? La foi, c'est la confiance qu'il existe une entité absolue qui peut véritablement nous aider et nous sortir de cette condition de souffrance. Parce que tout le monde souffre dans ce monde. En fait, quand on souffre moins et que tout va bien, la plupart des gens, ils délaissent le Seigneur suprême comme quelque chose de secondaire à leur vie. En fait, quand ils lisent, ils peuvent pas véritablement comprendre ce qu'il y a dans l'écriture. Pourquoi? Parce que leur expérience de la vie matérielle leur fait penser que tout va bien. Vous comprenez? Et même quand tout va bien, ils ont même plus le temps même de lire. Ça devient secondaire. Ça veut dire que s'occuper, par exemple, de telle chose dans la vie, c'est plus important. C'est mon devoir premier. Mais si on observe bien dans ce monde matériel, il y aura toujours quelque chose à faire avant. Notre devoir véritable qui est de comprendre notre éternité. Or, quand les choses vont mal, l'être vivant, il y a une deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il prend refuge en Dieu parce qu'il souffre. Mais pourquoi il prend refuge en Dieu? C'est parce qu'il souffre. C'est pour remédier à sa solution. Mais toujours pas pour rétablir sa relation avec Krishna. Ça veut dire que il pense, parce qu'il est attaché à la matière, à un être vivant, qu'il connaît même pas, il connaît même. En fait, par exemple, si quelqu'un s'attache à quelque chose, par exemple, est-ce qu'on connaît qui est cette personne, véritablement? Hier, je disais à Radha, est-ce que tu connais cette personne, non? Est-ce que tu te connais toi-même, non? Vous comprenez? Et donc, quand on souffre, parce qu'on s'attache à quelque chose qui est imparfait, la souffrance viendra de toute façon. L'attachement, ça veut dire souffrance. Vous ne pourrez pas y remédier. Quand vous êtes attaché, vous devez souffrir. C'est ce que dit le Seigneur suprême. Et quand vous souffrez, naturellement, vous vous mettez en colère. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va prier le Seigneur suprême pour trouver une solution pour arranger notre environnement. Vous comprenez? Et alors on se dit au fond de nous-mêmes, oh, j'ai mal agi parce que en fait si je m'étais mieux occupé d'une personne, etc., ça aurait été mieux par exemple. Mais le problème il n'est pas là. Parce que même vous pourriez faire ce que vous voulez, quelqu'un qui n'a pas l'essence contrôlée, et quelqu'un surtout qui n'a pas une relation avec le Seigneur suprême, qui n'a pas d'attachement pour Guru et Gauranga, il pourra pas être satisfait avec vous, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que tout le monde a une limite, vous comprenez? On est fait pour être avec Krishna, un objet tellement merveilleux, tellement beau, rempli de douceur. Aucun être peut nous donner cette satisfaction-là. Donc vous pourrez essayer de combler les désirs d'une personne, ça sera pas possible de le combler. Parce que vous n'avez pas le pouvoir de combler l'âme. Par contre, si vous comprenez que vous avez délaissé Krishna, et c'est pour ça que ça vous arrive, alors Krishna va harmoniser les choses. Parce qu'il est dans le cœur de chacun, premièrement.
Et si on prend refuge en lui parce qu'on désire, on a compris une leçon et qu'on désire établir une relation avec lui et agir pour lui, alors le Seigneur va harmoniser les choses. Parce qu'il en a le pouvoir. Il fait ce qu'il veut, finalement. On a la liberté, c'est vrai. Une liberté complètement libre, mais il peut aussi, s'il veut, nous contrôler. Vous comprenez? Ijvara Sarabhutanam. Krishna dit, je suis dans le cœur de tous les êtres vivants et je contrôle les êtres vivants. Donc, ce qui nous est donné, par exemple, de voir, c'est parce que le Seigneur suprême nous, comment dire, nous permet de voir. Eh, Gora, calme-toi un peu. Tu peux jouer tranquillement, t'as pas besoin d'être comme ça, laisse ta maman tranquille. Ok? Elle vient une fois pour écouter la classe, faut être gentil. D'accord? C'est compris? Lila aussi, hein, tu joues tranquillement et tu laisses maman. Et Shyama aussi. Ils viennent une fois de temps en temps. Donc il faut pas leur prendre le mental. Ok, ça marche? Là, c'est bien. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'harmonie. Donc le point, c'est que on doit tirer des leçons dans ce monde, c'est vraiment important. Et tirer des leçons, ça veut dire les tirer avec un savoir supérieur, pas à notre niveau, pas avec le copain d'à côté, ou le voisin d'à côté, ou la copine, t'as vu ce qui m'arrive et tout, ouais, ah ouais, t'as raison, moi j'aurais peut-être pas fait comme ça, j'aurais fait comme ça, j'aurais fait comme ci, et moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, et encore ci, et encore ça. Ça, c'est pas un savoir absolu, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est des solutions que la personne, elle a expérimentées et que sa vie a été un peu mieux grâce à ça, par exemple. Vous comprenez? Mais, quand on est Vaishnav, quand on est initié par un maître spirituel, les choses, ils sont sur un plan supérieur. Ça veut dire que les choses qui nous arrivent, elles sont pas des choses qui sont reliées véritablement à la matière. Ça veut dire que quand on se fait initier par un Vaishnav, quand on se fait initier par un Vaishnav, et qu'on sert la Guru Parampara, le devoir du Seigneur, c'est d'aider ses enfants. Ça, on doit en être sûr. Parce que quand on se fait initier quelque part, c'est Radha et Krishna qui nous acceptent de nouveau dans leur intimité, leur famille. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et naturellement, quand il nous arrive quelque chose, un malheur, on ne doit jamais croire que le refuge n'est pas présent, que cette chose n'arrive pas pour nous permettre d'accéder à un plan supérieur et nous délivrer. Un Vaishnav, il pense jamais que c'est injuste. Il pense toujours que si cette chose-là n'était pas arrivée, je serais resté vie après vie dans ce monde matériel. En fait, Krishna est comme ça. Si on est attaché et que cet attachement nous permet de ne pas s'attacher à lui, nous empêche de s'attacher à lui, alors il fera un arrangement pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse diriger notre attachement différemment. C'est comme ça. Alors sur le moment, on peut se dire, c'est difficile, c'est dur. Pourquoi ça m'arrive, moi je chante, moi j'essaye de bien faire, tu vois. Même si j'ai pas une grande capacité à comprendre Krishna, même si j'ai pas une grande capacité à l'aimer, je suis sincère quand même. Aucun Vaishnav n'est pas sincère. Vous savez, chanter tous les jours, faire une offrande tous les jours, rester chaste envers son mari, ou un mari envers sa femme, etc., c'est quelque chose qui est pas facile dans ce monde. Parce qu'on est dans l'âge de Kali, et l'âge de Kali, c'est un âge où tout le temps les choses bougent. Tout le temps les choses bougent. Il n'y a pas de vertu. Il n'y a pas de véracité. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de tolérance. Il y a des gens ont très peu de qualité. Donc accepter des principes de vie
c'est extrêmement difficile. Donc tout le monde a une sincérité. Moi, par exemple, des fois, j'ai vu des personnes me dire, mais je suis pas sincère. Et moi, je dis non, cette personne est sincère. Parce que Krishna l'aime. Parce qu'elle fait quelque chose que des millions, des millions, des millions de personnes ne font pas. C'est qu'elle essaye de contrôler ce sens. Elle essaye d'aller vers quelque chose qui est différent de ce qu'elle aurait fait d'habitude. Mais Krishna, lui, il est sensible à ça. Krishna est très sensible. Mais simplement, Vishvacharya Thakur, il dit que dans son monde à lui, c'est un monde qui est parfait. Donc il ne peut pas nous introduire tout de suite. Parce que déjà, on n'en a pas forcément envie pleinement, déjà, pour commencer. Parce que on aime bien notre petite vie, parce qu'il y a telle chose qu'on a attachée, telle chose qu'on a attachée. Par exemple, si je dis à Nimai Sundar, aujourd'hui tu laisses tout, tu viens, tu te rases la tête, et je vais me dire, oh, mais mes cheveux. Rien que pour les cheveux, il ne voudra pas retourner à Golok Vrindavan, par exemple. Vous comprenez? Donc on a plein de petites choses. Ça paraît insignifiant, mais c'est toutes des petites choses qui fait que on n'a pas forcément envie, quoi. On a encore intéressé à quelque chose dans ce monde, vous comprenez? Donc quel est le travail de Krishna? Krishna nous aime. Krishna nous accompagne dans notre vie. Il nous aime vraiment, mais il va faire que comme ce monde il est imparfait et que c'est obligé que telle personne va vous tricher. Telle personne va vous tromper, tel ceci, tel cela, tel ceci, tel cela, tel ceci, tel cela, qu'à un moment, on est obligé de comprendre que, on est obligé de prendre refuge en lui, parce que lui, il est parfait. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à un moment, on va étudier d'une manière, avec une substance en nous. On va chanter avec un désir de le rencontrer. La foi va se manifester d'une manière beaucoup plus tangible. Vous comprenez? Et c'est ce qui va faire que quand une petite relation avec Krishna s'installe, ça veut dire une foi où on comprend que c'est la substance, quoi. C'est-à-dire que tout peut s'en aller dans ce monde sauf Krishna. Krishna nous abandonnera jamais. Vie après vie, il nous abandonnera jamais. Mais il nous forcera pas. À ce moment-là, quand on va comprendre ça, on va vouloir l'aide. Mais qu'est-ce que ça veut dire vouloir l'aide? Vous savez, dans ce monde, quand on souffre, une femme, par exemple, elle aime mettre sa tête sur la poitrine d'un homme et révéler ses problèmes, son cœur. Eh bien, la foi, ça veut dire que on va donner notre cœur de la même manière à Krishna. On va lui dire qu'on l'aime. Et on va lui faire des déclarations d'amour. Des belles déclarations d'amour. Et là, quand on va oser faire ça, vraiment, on va goûter un tel soulagement de la vie. On va pouvoir véritablement goûter quelque chose de tellement supérieur que à un moment, on va comprendre que finalement, Krishna, il peut être avec moi partout. Dans toutes les relations. Parce qu'il est dans mon cœur. Il peut venir directement quand je fais ça, parce qu'il est déjà là. Si je lui dis je t'aime, si je prends ses pieds et je les mets en fait sur ma joue comme ça et je pleure, et je lui dis que, en fait, sans toi, je peux pas vivre. Aide-moi, s'il te plaît, sois là. Me quitte pas. En fait, Krishna ne nous a jamais quittés. Mais c'est nous qui l'avons toujours quitté. Vous comprenez? Eh bien, quand on fera cette chose inverse, alors Krishna va se manifester dans notre vie et va nous aider à comprendre les êtres vivants, à aider les êtres vivants, à aimer les êtres vivants. On va voir la vérité chez les êtres. Et on va plus attendre véritablement de choses d'eux, vous savez. On aura un pardon illimité, on aura une tolérance illimitée. Parce qu'on comprendra que finalement, quand j'avais pris refuge dans autre chose que Krishna, je m'étais trompé moi-même. Parce que pourquoi un refuge imparfait ne donnerait la perfection?
Pourquoi un refuge qui est imparfait ne nous ferait pas souffrir? C'est pas possible. Il n'y a que quelque chose qui est parfait qui peut nous libérer de la souffrance, qui peut nous libérer du doute, qui peut nous libérer de l'angoisse. Vous comprenez? Mais pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on ne voit pas. On est aveugle, on ne voit pas Krishna encore. Mais si on revient un petit peu en arrière, quand on souffre et quand on a misé sur quelque chose et que tout s'écroule, on n'a plus vraiment le choix. Parce que comme on est un dévot et que Krishna nous observe, à un moment on sera obligé d'aller vers lui avec toute notre force et tout notre amour. Et c'est à ce moment-là que Krishna vient et qui nous dira, comme ça, il dit en fait, ça fait 20 ans, 30 ans que tu me pries, mais en fait tu me pries pas. Tu m'as jamais parlé personnellement. Jamais. Jamais tu t'es adressé à moi avec une petite larme. Jamais tu m'as dit je t'aime. Jamais. Pourtant tu l'as dit à d'autres. Mais ces êtres-là, ils étaient imparfaits. Mais je t'ai observé. Je t'ai observé. Je savais que tu allais souffrir. Je savais déjà ton futur. Je sais tout. Mais puisque je suis la liberté personnifiée et puisque tu voulais véritablement goûter cette situation-là, alors je t'ai permis de le faire. Mais jamais je t'ai abandonné. Et maintenant je suis là. Je suis là avec toi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'amour pour Krishna peut se manifester. C'est pour ça que un Vaishnav, il accepte jamais que les revers de la vie, ils ne soient pas de la miséricorde. Parce que si on est sincère et qu'on se tourne vers Krishna, Krishna alors se tourne vers nous. Et alors, à ce moment-là, quand on goûte un tout petit peu d'amour, pur, alors on comprend que ce qu'on recherchait, c'était quelque chose d'imparfait dû à notre imperfection. Alors, à partir de là, en fait, c'est pas qu'on rejette les êtres vivants. Parce que on a besoin des êtres. Parce que tous les êtres sont des frères. Tous les êtres sont des âmes spirituelles. Tous les êtres vivants sont des Vaishnavas. Ultimement. Simplement, il y a différentes couches qui recouvrent les êtres. Or, Krishna, il veut qu'on aide les êtres vivants. Il veut qu'on développe des qualités. Il veut qu'on le serve dans notre foyer. C'est pour ça que la meilleure méthode pour atteindre l'amour de Dieu, c'est de se dédier au Seigneur suprême dans notre foyer. Développer des qualités pour lui. Servir nos enfants pour lui, servir notre mari pour lui, cuisiner pour lui, faire les courses pour lui, faire toutes choses pour lui. Et là, à partir de là, on comprendra que finalement les êtres qui sont autour de nous, puisqu'on verra la vérité, on verra qu'il y a une perfection, même dans l'imperfection. Et là, on sera toujours gagnant. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. On sera obligé de comprendre ce principe un jour. Parce qu'il est vital pour nous de l'accepter et de le mettre en pratique. Et là, à partir de là, on peut progresser spirituellement. Progrès spirituel, ça veut dire, comment dire, le malheur, il sera toujours là dans ce monde. On peut pas éviter le malheur, surtout dans l'âge de Kali, hein, c'est pas possible. La guerre peut éclater, c'est un truc terrible l'âge de Kali. Mais la compréhension, l'environnement, et des choses qu'on reçoit, alors sera de plus en plus un moyen de développer l'amour et le refuge de Krishna. C'est pour ça que cette voie-là, c'est la seule qui permet véritablement de développer l'amour. Parce que toutes les autres voies, on voit un opposant, on voit un ennemi. Vous comprenez? En fait, tant qu'on sera en colère, tant qu'on sera pas compassionné, tant qu'on pardonnera pas, on pourra pas aimer Krishna. Mais quand on va vers lui, on est obligé d'apprendre à tolérer, on est obligé d'apprendre à aimer,
On est obligé d'avoir le bon respect pour tous les êtres. Donc, plus on aura cette expérience, et plus on sera obligé de l'accroître, accroître ses qualités, vouloir développer ses qualités, parce qu'on comprendra qu'ils sont essentiels pour avoir cette connexion. C'est très important. C'est pour ça que notre vie n'est pas banale. Même si vous êtes dans une petite maison avec vos enfants, c'est pas banal. Parce que vous êtes relié au service de dévotion. Vous devez progresser. Vous existez pour servir. Et ça peut pas être banal. Parce que quand vous faites la vaisselle, c'est plus banal, c'est du service. Quand vous nettoyez la table, c'est du service. Quand vous éduquez vos enfants, c'est du service. Quand vous les amenez à l'école, c'est du service. Mais c'est à vous de décider. Est-ce que je le fais pour qui? Pour moi ou pour Krishna? Si vous le faites pour vous, alors c'est du karma. Ça veut dire que vous devez en prendre les conséquences de vos actes. Mais si vous devez le faire pour Krishna, vous vous libérez. C'est pour ça que c'est merveilleux. C'est simplement, il faut vous dire, bon, hein, par exemple, Yamuna, aujourd'hui, elle va faire les courses. Elle s'est dit, bon, allez, il faut pas que je le fasse pour moi, je le fais pour Krishna. Et là, vous allez pour Krishna. Et vous dites, tiens, qu'est-ce que mon Seigneur, il pourrait manger aujourd'hui? D'habitude, vous dites, tiens, Gora, Lila, ils aiment bien ça. Et là, vous dites, qu'est-ce que Krishna pourrait bien aimer aujourd'hui? Et vous verrez, Krishna vous donnera l'intelligence. Et vous sentirez qu'il y a une aide qui vient et qu'il y a une relation qui s'installe. Ne pensez pas que le Seigneur ne peut pas venir dans votre vie. Ne pensez pas qu'il ne peut pas relationner avec vous. Ne pensez pas qu'il ne mange pas. Il mange parce que vous avez de l'amour pour lui. Il marche parce que vous avez de l'amour pour lui. Il va vous parler parce que vous avez de l'amour pour lui. Mais si vous vivez votre petite vie, ça ne marchera pas. C'est pour ça que le Seigneur, il demande simplement de l'attention. Est-ce que vous n'aimez pas avoir de l'attention? C'est vrai. On aime avoir de l'attention. On aime qu'une personne nous affectionne, nous protège. Mais Krishna est pareil. Si ça existe en vous, c'est que ça existe en Dieu. Alors bien sûr, d'un point de vue religieux, Dieu est absolu, il a besoin de personne, et c'est vrai. Mais d'un point de vue du rasa, des doux sentiments d'amour, quand le Seigneur il a Avraj, il a besoin d'amour. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Sans ça, il n'y a pas de dévotion. C'est la peur. La peur, il n'y a pas de dévotion. C'est pour ça qu'il faut réapprendre à vivre. Réapprendre, ça veut dire qu'il faut ramener son mental. Dire, oh là là, pas comme ça, je fais comme ça. Et à un moment ou à un autre, on va pouvoir véritablement avoir toutes les conceptions du bien et du mal qui s'en vont. On va même pouvoir aller dans les endroits où on pourrait pas aller, où on se sentira bien partout parce qu'on le fera pour lui. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont du mal avec la famille, avec ceci, avec cela. Ben, en fait, pourquoi ils ont du mal? Parce qu'ils font les choses pour eux. Quand on fait pour Krishna, on n'a pas de mal. Parce qu'il est là. Alors bien sûr, c'est un niveau de vie exalté. Mais sans ça, on souffrira. On souffrira. C'est pour ça que le seul moyen qu'on a... Hier, j'expliquais, par exemple. J'expliquais une chose qui est intéressante. On voit souvent les couples, dans l'âge de Kali, ça dure pas longtemps. Mais pourquoi? Parce que déjà, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'âme est faite pour... être avec quelqu'un qui a une beauté illimitée, une douceur, toutes les qualités Krishna finalement. Donc à un moment ou à un autre, bah, on a tout observé chez une personne, on voit il y a beaucoup de défauts aussi qui se manifestent, parce que quand on doit attirer quelqu'un, on montre toutes les qualités. comprenez, hein, c'est... on essaye d'attirer quelqu'un, donc on montre toutes les qualités. Et une fois qu'on a dans la poche, whoop, je t'aime aussi, je t'aime aussi, je t'aime aussi, je t'aime aussi, qu'on est sûr du coup, après, graduellement on s'habitue et les petits défauts commencent à arriver. Hein. Et avec le temps, il peut même rester plus que les défauts parce qu'on est toujours en colère, toujours frustré, il y en a marre, et l'autre quand il rentre, à chaque fois il se dit, voilà, c'est dur, c'est de plus en plus dur. Vous comprenez? Mais pourquoi on fait ça à la base?
C'est parce que finalement, comme on vit pour nous, et qu'une personne en face de nous peut pas nous donner la pleine satisfaction, on est frustré. C'est normal. Et donc, on lui fait savoir qu'on est frustré. Je suis frustré. Tu peux pas me combler. Je suis frustré. Tu peux pas me combler. Aïe, 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 aïe. Parce que sans ça, on souffrerait pas. Si Krishna était là, on serait en blisse. Complètement satisfait. On pourrait pas souffrir. On pourrait pas se lamenter. Mais la personne qui est en face de nous peut rien faire pour nous. Donc on s'énerve. On pète un plomb. C'est normal. Vous comprenez? Mais on n'a pas connu Krishna. On peut pas savoir pourquoi. Mais on met tout sur sa tête. Et donc lui, il rentre le soir. Ou ça peut être elle. Paparam, paparam, paparam. Et à un moment, c'est dur, c'est trop dur. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite douce fille qui me regarde, qui est tellement douce, qui est tellement gentille. Et puis hop, on tombe dans le piège. Boum. Et on va dans le péché, finalement. Mais pourquoi ça arrive? Finalement, si on reprend tout le départ, on ravale tout le film. On ravale tout le film. Allez, on recommence tout à zéro. Et que on veut fonder notre vie pour Krishna, pour le plaisir de Krishna. Ben, si on vit pour Krishna, on pourra pas être méchant envers notre mari ou notre femme. C'est pas possible. Parce que on doit servir Krishna. Et on doit absolument, comment dire, avoir une bonne attitude, accueillir le bon respect. Quelqu'un allait travailler, par exemple, toute la journée pour amener de l'argent pour le foyer du Seigneur. Donc, notre conscience, ça doit être de bien l'accueillir. Mais pour Krishna, par amour pour Krishna. Vous comprenez? Lui dire des belles paroles, avoir de l'intention. Parce que Krishna, il va nous faire sentir que c'est son dévot. Et que c'est quelque chose qui est important que tu le fasses. Les enfants, on va s'en occuper d'une manière complètement différente. On va développer beaucoup de tolérance, beaucoup de compassion. Et cet amour qui va se dégager de nous, et c'est là que c'est très important, cet amour qui va se dégager de nous, il se trouvera pas dans une petite minette avec des beaux yeux, qui soi-disant est tellement belle et qui va vous piquer votre mari, quelque part. Comprenez? C'est comme des... comprenez? Mais même si un mari se trouve ensorcelé comme ça, et qu'il approche, il va ressentir qu'il y a quelque chose qui est différent. Parce qu'il n'y aura pas Krishna, et il ne pourra pas. Donc cet amour-là de Krishna, il peut résoudre tous les problèmes. Si vous vous mettez dans le service de dévotion, véritablement, et que vous faites les choses pour Krishna, vous verrez que personne vous abandonnera. C'est pas possible. Personne vous abandonnera. Parce que Krishna lui-même, il comblera vos manques et il maintiendra ce que vous aimez. Parce que vous êtes son dévot. C'est pour ça que la leçon de la vie, on doit la comprendre à travers les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas ont une réalisation supérieure. Et ils peuvent vous expliquer comment de nouveau harmoniser votre vie et avoir une vie merveilleuse dans la même situation. La même situation, ça peut être l'enfer, comme une manifestation en fait de la miséricorde de Krishna. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que sans ça, on va souffrir. C'est pour ça que, voilà, il y a rien de compliqué là-dedans. D'être un serviteur et arrêter de penser qu'on est un maître, vous comprenez, et recevoir les gens. Bonjour, tu vas bien? Ah, ça va, hein? Laisse-moi, hein, j'ai souffert toute la journée, ça va, hein? Ah bon, mais non, mais je voulais pas. Ah, je te dis de lâcher. Tu vas arrêter, mais t'es toujours pareil quand tu rentres. Ah, j'en ai marre, hein. Allez. Quoi encore? Quoi, t'as faim? T'as toujours faim? Vous vous rendez compte? Ça peut pas durer longtemps.
À un moment ou à un autre, le gars, il n'ose même pas rentrer à la maison. Et on rigole, mais c'est un petit peu comme ça. Hein. Vous comprenez, quoi. Et puis après, quand tout le quand bah, tout s'écroule, bah, on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me fait ça? Vous comprenez? Mais à la base, pourquoi? Parce qu'on n'était pas un serviteur. On voulait notre vie. Et donc, comme on voulait notre vie, on passe nos impressions, nos désirs, notre frustration avant le service. Mais quand on veut être un serviteur de Guru Gauranga, même si on est mal, on continue à servir. Notre mal, il passe après, parce que notre devoir, il passe avant. Et graduellement, tout ce mal qui nous ronge, par le service de dévotion, ça se consume en fait. Notre frustration, etc., etc. Et on va trouver graduellement la joie, quoi. Hein? C'est pour ça qu'on doit enseigner cette manière de vivre, au moins le minimum. Hein? Parce que naturellement, moi quand je vois par exemple les couples pas aller ou vouloir divorcer, ou il y en a qui sont attirés par d'autres femmes ou d'autres hommes, je me dis, mais c'est quand même dommage qu'ils n'arrivent pas à comprendre toutes ces choses, quoi. Et qu'ils rencontrent tellement de difficultés dans leur vie. Et on doit se battre, vous comprenez, pour être un serviteur. On ne doit pas vivre pour nous. Et si on sert Krishna, même si une personne s'en allait, c'est pas Krishna qui s'en va, vous comprenez? On pleure un tout petit peu, puis après, parce que la quintessence de la vie ne peut jamais s'en aller, vous comprenez? L'amour, la douceur, elle partira jamais, elle est là. Simplement, le Seigneur se manifeste de telle ou telle manière, comme dans notre environnement, nous entoure d'amis, d'enfants, de maris, de femmes, etc. Mais quand on sert Krishna, même s'il y en a un qui disparaît, finalement, ça enlève rien. Vous comprenez? Mais quand la personne est là, ça nous permet de servir Krishna. Et ça nous permet aussi d'aimer les êtres, vous comprenez? Mais si Krishna n'est pas là, et la personne s'en va, alors on est détruit. Parce que on a tout mis sur quelque chose qui était imparfait. Et ça fait mal. Oh là là là. Ça fait vraiment mal. C'est pour ça que l'homme et la femme, ils doivent mettre Krishna au centre de leur vie. Et comme grâce à l'homme ou grâce à la femme, on progresse et notre amour augmente, alors vous devenez les meilleurs amis. C'est pas possible à ce niveau-là que vous puissiez aller avec une autre femme ou un autre homme, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolé. C'est impossible. Parce qu'il y aura un tel respect. Il y aura, comment dire, c'est plus qu'un mari, c'est comment dire, le moyen que j'ai de servir mon Seigneur. C'est une plateforme tellement élevée que c'est pour ça que dans les autres âges, il y avait des gens, des couples tellement élevés. Mais ça va revenir dans cet âge, il y aura un âge d'or. Mais c'est pour ça qu'on doit comprendre la cause de notre malheur. La cause de notre malheur, c'est qu'on n'a jamais servi. On a servi nos intérêts, mais pas les intérêts de Krishna. Et c'est pour ça qu'à un moment, l'harmonie peut pas se manifester. Vous comprenez? C'est très scientifique. Mais, il est jamais trop tard. C'est vrai. Il est jamais trop tard. Quand on prend une leçon, c'est pas la fin du monde. C'est simplement que, on reprend une nouvelle vie. C'est comme une renaissance. Et on t'a enrhumé, hein? T'es un rhume? Ah, un rhume. Ah, toi aussi. Et Gora, t'es pas enrhumé? Non, ça va? Si aussi, hein? Oui, je comprends. Allez, ça va? Non, bon, ça va. Ok, vous avez des questions?
Hein, c'est une base pour vivre, comment dire, et pour pouvoir progresser et trouver la joie dans toutes les circonstances. Même dans le malheur, on peut trouver la joie. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, alors elle n'est pas toujours facile à comprendre, hein, mais elle traite en fait de cette vie. Arjuna, il était un guerrier, imaginez-vous, au milieu d'un champ de bataille. Et Krishna l'a enseigné sur cette philosophie. Et en fait, on voit que notre vie, c'est un champ de bataille, finalement. Parce que les êtres qui sont autour de nous, bah, ils nous agressent tout le temps. Que ça soit quelque part un enfant. Hey, maman, maman! Donc, on est dans un champ de bataille, si on regarde bien. On est bien d'accord. Un mari rentre le soir, il est de mauvais poil. Ou une femme, etc. Vous comprenez? On est dans un champ de bataille. Et donc, la Bhagavad Gita, c'est véritablement un moyen d'être dans cette situation-là, mais de savoir comment agir pour pas être influencé par cette situation et toujours, finalement obtenir le refuge du Seigneur suprême. Quand on a le refuge du Seigneur suprême, alors naturellement on devient un refuge pour les autres. Vous comprenez? C'est pour ça que sans véritablement accepter cette philosophie, c'est difficile. On n'est pas des sentimentalistes. Pourquoi? Parce qu'on a une philosophie pratique, scientifique, qui fait que si on met un pas, on récolte telle chose. Un autre pas, on récolte telle chose. On peut comprendre la loi, de l'action et de réaction, du karma, par exemple. On peut comprendre comment, se libérer de toutes les formes, d'illusions, de souffrances, de bonheur, et atteindre finalement un état où on peut comprendre nos vrais sentiments d'amour. Or, sans comprendre notre réalité, quelque part, c'est la souffrance. Quand on ne se connaît pas soi-même, c'est une cause de souffrance. Pourquoi on souffre? Parce qu'on s'identifie à des choses qui ne sont pas nous-mêmes. Des complexes, je suis maigre, je suis gros, par exemple, moi j'ai un gros bidon, quoi, tu vois. En gros, il veut pas partir. J'ai beau lui dire, va-t'en. Il veut pas partir. Il est super attaché à moi, quoi. 30 kilos. Mais, en fait, je pourrais être extrêmement malheureux avec ce gros bidon. T'as vu, il t'a traité petit gros. Un petit gros. Un jour, comme ça, quelqu'un m'a dit, ouais, t'es un petit gros. Un petit gros. Alors, moi je me rappelle une fois, j'avais dit un gros bidon, il m'a fait la tête, hein, il voulait plus me parler. Mais fini, hein. Il voulait plus venir au temple, fini. Lui, j'avais dit pour rigoler, oh, t'as un petit bidon, fini, mais fini. J'étais devenu l'ennemi. Il voulait pas me pardonner, vraiment. Ah, il m'a offensé. Il m'a offensé. Il a osé me dire que j'avais un bidon. J'y peux rien, ça se voyait. Mais voilà, vous vous rendez compte? On est tellement identifié au corps. Qu'est-ce que nous rapporte le corps de la souffrance? Quand on est beau, par exemple, on veut attirer tout le monde. On veut. Quand on est moche, on se planque. Quand on est ni beau ni moche, on sait plus quoi faire. Mais c'est que de la souffrance tout le temps, tout le temps, tout le temps. On pense qu'on n'a pas de qualité, on pense qu'on a des qualités, on se lamente. C'est pour ça que Krishna nous dit la première chose, c'est que on est différent du corps. C'est pour ça que c'est un enseignement qui est important. Cherche ta vérité. Tant que tu ne sauras pas ta vérité, tu seras malheureuse. Et donc, au fur et à mesure qu'on va servir Guru Gauranga, on va connaître, on va rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Notre vérité va émerger en nous et on va se libérer graduellement de tous nos problèmes. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est véritablement une solution qui est joyeuse. Peut-être qu'au début c'est un peu dur, mais à un moment ou à un autre, on sortira de cette impasse.
Et là, quand on sortira un tout petit peu, on pourra plus s'en aller. C'est pas possible. Parce qu'une fois qu'on découvre notre vérité, c'est plus possible de revenir en arrière. C'est pas possible. Parce que si on revient en arrière, ça sera pas possible. Vous comprenez? Parce que la vérité, c'est quelque chose qui est contraire à l'ignorance. Et quand on se retrouve entouré d'ignorance, alors on peut pas être satisfait. On peut pas être heureux. On peut pas être libéré. Vous comprenez? Merci beaucoup.